Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous content de rejoindre nous. Et jeudi à pour première sortie Maga Sport sur plateforme Facebook Fernando Live. Et c'est première sortie nous pour année 2022. Nous souhaitons tout le monde déjà bonne année 2022. Nous espérons année ça libéral et libéral plus belle. Dans ça qui est à ouais avec sport, puisque c'est sport, on a parlé, c'est sport, nous aimons football, basketball, tennis, volleyball, en pile d'autres disciplines encore. Et année 2022, ça, c'est une année qui pourra gagner en pile gros activités sportives là-dedans. Et bien donc, nous avons des devoirs pour nous capables rester en très bonne santé pour vivre les grands événements du sport pendant l'année 2022. Sonny Eliatus, c'est moi-même qui ensemble avec nous pour le 13e numéro Sport Mag qui passe chaque samedi et sous plateforme ça. Et puis, il y a Stéphane qui a fait toute manœuvre technique. Nous saluer déjà les amis qui ensemble avec nous en bas live là. Nous espérons qu'ils sont capables de partager pour plus de monde capable de garder chaud ça. Et c'est un show qui va être très très intéressant pour première sortie nous pour l'année 2022. Nous allons parler et en pile sport. Justement, n'a pas ouais comment. Et ça a été pendant semaine, surtout avec un dossier Mercato qui a fait parler en pile. Et n'a pas vu une fois parler de Erling Haaland, qui c'est footballeur norvégien, ça, qui est très convoité partout en Europe. Real de Madrid, FC Barcelone et Manchester City, entre trois équipes ça yo qui côté et été prochain. Nous pral ouais et en 10 saisons prochaines nous pral ouais footballeur norvégien puisque trois équipes ça yo voulait gagner attaquant pointe Dortmund à tout prix n'a pas vu n'en parler de ça et n'a pas tout d'autres informations sur ça qui gagne ouais avec marché transfert là et Samuel Umtiti qui capable quitter FC Barcelone Philippe Coutinho qui déjà allé dans l'équipe Aston Villa et n'a pas ouais l'autre information et l'autre information en sous dossier et sport avec Messi qui forfait pour match face à Lyon équipe Paris Saint-Germain pour jouer
Et Sergio Ramos qui dans le groupe là et n'a pas vu tout. Et Toni Kroos, footballeur, bon, on dit ancien footballeur, ancien international allemand, joueur Real de Madrid, et qui tentait 23 000 passes depuis le l'arrivée en dans l'équipe Real, ça n'a pas vu parler en long et en large de toute information si là. D'abord, on rentre rapidement dans le développement information, mais juste avant, nous rentrons dans le développement information, nous sommes capables de faire un petit comeback pour nous faire un petit parler de ça qui t'a marqué nous pendant l'année 2021. Puisque l'année 2021, tu as gagné un pile de bagages qui passaient là-dedans. Et par exemple, en tennis, nous sommes capables de dire Rafael Nadal, et qui t'a perdu pour la première fois après plus de passé 10 années dans Roland Garros, qui c'est surface prédilection, surface côté li beaucoup plus dominant dans affaire tennis. Eh bien, Novak Djokovic t'a mis fin avec un service pour Rafael Nadal. Et puis, dans ça qui est avec un basketball NBA, Milwaukee Bucks, qui t'a gagné et environ 50 ans, il va jamais remporter un titre NBA. Eh bien, équipe boxante t'a la sacrée champion avec un grand Giannis Antetokounmpo. D'après la permettre équipe Milwaukee Bucks remporter titre NBA pendant l'année 2021. Dans affaire football, Gueye et Chelsea qui d'après remporter deuxième Ligue des Champions dans l'histoire après 2012 et 2021. Chelsea t'apprend la sacrée champion avec bien entendu un superbe Thomas Tuchel et sans oublier le joueur qui était très très important dans l'équipe Chelsea, ça Edouard Mendy qui était venu porter une assurance et en bas cash là pour l'équipe Chelsea côté il était très très fébrile avec Kepa, ça pas marché du tout. Et de même pour Willy Caballero, qui est un vétéran, ça va te marcher pour Chelsea, mais l'arrivée du portier sénégalais Edouard Mendy, eh bien, il a pris une bail équipe là. Une certaine sûreté, beaucoup plus de garantie, et monsieur qui est venu transformer tête li comme une muraille pour empêcher l'équipe Chelsea de prendre goal. Et puis, tu as pris la Coupe d'Europe des Nations, sélection italienne, tu as pris la sacrée et champion pour deuxième fois dans l'histoire après 1968 avec les Mazzola, Giacinto Facchetti et Gigi Riva et Rivera, Monsieur Sayo, Tabral, Bay, équipe italienne, première Coupe d'Europe des Nations et 2021, non, Coupe d'Europe tout à fait spéciale puisque ils ont fêté 50 ans. Compétition ça qui était débuté en 1960, mais problème coronavirus, ça va permettre compétition ça pas faite en 2020, et bien, il va le faire en 2021. Et équipe italienne, malgré équipe ça, était dans une situation vraiment difficile, pas participer dans la Coupe du Monde en 2018, ils ont éliminé dans la Coupe du Monde en 2014 au premier tour. De même pour 2010, malgré qu'il était tenant du titre, il a sorti par la petite porte. Et bien donc, l'Italie, qui n'a pas gagné de très bonnes prestations sous ses clients, et bien, rivé Roberto Mancini, il a vraiment monté un bel projet. Et même malgré le projet, ça n'a pas gagné de gros éléments là-dedans. Mais quand même, l'équipe ça, il a pris là et arrivé dans la Coupe d'Europe là, après une grosse phase éliminatoire, il a fait. Et bien, arrivé dans la Coupe d'Europe là, ça t'a pas permettre de joindre ça au besoin. Et rage des veclans, et en pile engagement, et sans de sacrifice, et bien, l'Italie, t'a pris là, sacré champion d'Europe pour une deuxième fois. C'est l'autre fait marquant qui t'a gagné pendant l'année 2021, ça nous capable de signaler rapidement, c'est Léo Messi qui a remporté le 7e ballon d'or dans le palmarès. Eh bien, en pile monde
et en pile parole en pile t'as fait après et ballon de ça et mais Léo Messi c'est joué selon journaliste France Football yo qui t'a gagné meilleur chiffre sous Ania et bien Léo Messi d'après là ça et remporté 7e et ballon d'or là pour nous capables font Tibaka toujours en parlant de Léo Messi et bien et Léo Messi d'après là permettre équipe Argentine remporter yo 15e Copa América et titre sélection d'Argentine n'a pas remporté depuis 1993 et avec la génération de Gabriel Omar Batistuta, Diego Simeone, Fernando Redondo et Abel Balbo, te gagné Leonardo Rodriguez, yon bonne pléiade de bon joueur football sous zone Alfio Coco Basile. Et bien, depuis lors, l'équipe Argentine n'a pas jamais capable de sacrer champion, malgré yon perdu et 4 finales. Yon perdu 2 contre le Brésil, 2004, dans la séance de tir au but. Et 2010, 2007, le Brésil a gagné 3 goals à 0. Et puis, contre le Chili, yon perdu 2 finales. Et 2015, et puis Centenario 2016. Donc, Messi qui mettait fin avec série noire ça pour l'équipe Argentine et bail Argentine yon titre après environ 28 ans sans Argentine pas remporter aucun titre majeur. Voilà comment ça lui-même l'était et un résumé sous année 2021. Pour année 2022, nous connaissons un pile gros bagaille qui a pris tant nous. D'ailleurs, pendant le mois de janvier, il y a eu l'Open d'Australie, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations, Open d'Australie c'est dans le tennis, Coupe d'Afrique des Nations, côté il y a eu l'Open des gros joueurs qui ont évolué en Europe. Pral jouer avec la sélection PIO et Salah, Sadio Mané qui était équipe Liverpool pour capable de jouer dans pays PIO, Égypte et puis le Sénégal et pral la gagner également et nous pral vivre ça pral fait pendant toute Grand Chelem yo puisque gagner Novak Djokovic qui gagne rendez-vous avec l'histoire à savoir et jouer qui capable de venir remporter plus Grand Chelem sous circuit ATP il est déjà à 20 égalé et Roger Federer et puis Rafael Nadal depuis le capable sacré champion là la ville avec 21 dans Open d'Australie yon compétition surface à déconnecter très très bien puisque il y a possibilité pour le remporter yon 10e Open d'Australie et donc dans carrière donc Guillaume Roland Garros Wimbledon pral gagner US Open pour capable clôturer Anéa en Grand Chelem. Et puis dans basketball, est-ce que l'équipe Milwaukee Bucks pendant l'année 2022 là pral récidiver, pral faire back to back là? Nous pas connaît. Est-ce que Lakers pral profiter sans décroiser li? Est-ce que Brooklyn Nets avec James Harden, Kyrie Irving de retour et puis Kevin Durant pral permettre franchise à remporter premier titre NBA en carrière? Ça, c'est une grande interrogation. Et la montée en puissance et Golden State Warriors avec Steph Curry qui a joué gros niveau basket. Est-ce que retour Klay Thompson a pral poté yon gros atout pour yon pour permettre yon capable retourner gagner à savoir remporter titre? Est-ce que Phoenix Suns est pral tirer les leçons de défaite sur saison dernière et puis pour être capable de continuer sous même lancéa et même sacré champion, ça c'est ensemble d'interrogations sous année 2022. Année 2022 ça, nous prenons le temps tout dans le football, comment ça va aller en Ligue des Champions, puisque il y a des équipes qui n'ont pas goûté pour titre ça sérieusement. Manchester City, Paris Saint-Germain, qui déboursent des sommes astronomiques pour capable remporter le trophée ça pour la première fois. Et gagner l'équipe Chelsea, qui s'est tenue du titre, est-ce que Liverpool fait doubler? Est-ce que Real de Madrid, la meilleure équipe dans l'histoire de la Ligue des Champions, pral prendre la 15e Ligue des Champions? Et Bayern Munich et Juventus de Turin etc. Et bien qui est-ce qui va remporter le trophée ça et Anissa en mois de mai n'a pas connu et tout détail net qui est-ce qui va remporter et trophée ça. Année 2022 sont année qui va retenir nous surtout avec
Et Coupe du Monde en Qatar 2022, et son année qui a bien fini pour fanatique en football, puisque Coupe du Monde l'a commencé en novembre pour finir en décembre. Eh bien, qui dit mieux pour les amants du football et pour moun surtout qui remet mois de décembre pour fin vivre yon gros Coupe du Monde et puis pour yon rentrer dans période de Noël, pour y aller la fête de Noël et fin d'année. Donc, son année vraiment passionnante, yon année gen an pil bagay kapre tan nou espérer tout moun ap kapab en bonne santé, même que nous connaît tout le monde pas capable là, c'est ça, c'est comme ça viaillé. Moi même qui parle à là qui t'a qui voulait qui t'a souhaité pour vivre événement ça yo, je dois pas là pour vivre yo, mais quand même nous n'a prié pour nous capable toujours en santé et puis éviter tout obstacle sur nous pour nous capable vivre événement. On nous rentre dans ça qui a pas fait actualité et ce maintenant bien entendu avec équipe avec marché transfert là et qui gagnait et là-dedans nous t'a dit et FC Barcelone qui voulait qui a pas voyez prêter joueur qui a pas qui voulait voyez jouer aller l'autre côté pour capable et déblayer Kayla une façon pour capable gagner beaucoup plus de moyens financiers pour y aller chercher de gros grains de poisson pour lancer projet définitivement. Donc c'est dans optique ça gagner. Et plusieurs médias qui déjà a parlé à yon question et Haaland qui c'est actuel attaquant Dortmund international norvégien capable aller dans FC Barcelone. Gaye parole qui sorti dans la presse européenne qui fait qu'on est Mino Raiola qui c'est agent Haaland c'est bon ami et Joan Laporta qui c'est président FC Barcelone. Et bien ça li capable beaucoup plus ça faciliter transfert Haaland vers FC Barcelone. Mais gayer de l'autre équipe qui pas gayer crise financière qui pas gayer problème Barcelone a traversé dernier temps ça yo et bien qui prêt également pour y aller chercher Haaland pour faire venir dans l'équipe yo. Eh bien, dans cas ça, gayé Real de Madrid qui voulait gagner un duo ou bien un trident Haaland Mbappé et puis Vinicius Junior. Gayé Manchester City qui a cherché une véritable pointe depuis départ c'est Jokun Agüero. Eh bien, yo vle gagné qui est sur Haaland et puis gagné yon Vlahovic qui a joué dans Fiorentina tout, li yo parlé de lui. Mais Haaland nan, c'est lui-même qui beaucoup plus sa priorité selon la presse anglaise Manchester City. Raison an, c'est parce que papa Haaland c'est ancien joueur Manchester City et Haaland li fait en Angleterre. Mais li pendant enfance li te levé nan ligné nan entourage Manchester City avec papa. Et bien ça capable permettre monsieur faciliter transfert monsieur nan équipe et Manchester City. Donc si papa capable convaincre li même que tout gros poids c'est Mino Raiola agent qui c'est zami Joan Laporta ou dans tout ça n'a dit là sauf Real de Madrid qui sous dossier qui pas aucun lien d'amitié entre papa ou bien Mino Raiola qui c'est agent joueur et pas gain ça du tout. Mais Manchester City papa joueur c'est ancien joueur Manchester City et puis agent joueur c'est bon ami Joan Laporta. Et bien donc il y a parlé de ça. Mais maintenant choix qui choix Haaland ça li très important. Guillaume
Et en pile, et parole qui n'a pas fini et dans la presse internationale, qui fait qu'on est, et Alan, t'as souhaité, c'est non FC Barcelone l'aller. Et guillé selon révélation ESPN, ça est très important, révélation ESPN, eh bien, selon ESPN, président Real de Madrid, là, qui c'est Florentino Pérez, tout puissant, homme fort, quel que soit mon niveau, sauf que si Mounza pas voulu venir, dans Real pour pas venir, mais depuis le vle, l'apprend, eh bien, selon ESPN, Florentino et Pérez, t'a voulu pour Alan, attendez, oui, aller dans l'équipe FC Barcelone, pour Alan, si dans FC Barcelone, raison pour toutes deux équipes sa yo capable kebe rivalité pour capable kebe même ligne médiatique qui t'est gagné entre Cristiano Ronaldo et Leo Messi. C'est ça ESPN lui-même lit et révélation ESPN fait. Raison, c'est parce que Real de Madrid lit quoi que yo capable gagner à tout prix, y a gagné Kylian Mbappé à Madrid, Haaland et à Barcelone, et bien là projecteur il pral beaucoup plus fixé les dans championnat d'Espagne et puis dans classico yo c'est pral gros causer net dans question audience. Donc et bien c'est ça ESPN lui-même li fait qu'on est. Mais pour l'autre bagaille, pour l'autre dossier qui est très très important pour nous capables de signaler, eh bien, il y a une révélation qui fait tout. Pendant ETA, Zinedine Zidane, il y a possibilité pour le capable de venir comme entraîneur Paris Saint-Germain. Eh bien, Zidane qui est capable de venir pendant été pour venir remplacer Mauricio Pochettino dans tête équipe parisienne non et bien il a même déjà fait Kylian Mbappé comme joueur clé projet lié dans équipe Paris Saint-Germain. Là vinn gagner quelques petits doutes sur question Kylian Mbappé qui est capable rejoindre équipe Real de Madrid pendant été qui a pas venu là. Donc là c'est que si Zidane Vini dans Paris Saint-Germain, eh bien, ça a capable de faciliter Kylian Mbappé pour le rester, pour le renouveler contrat dans l'équipe à Paris Saint-Germain. C'est ça information yo même yo fait qu'on est. Et Zidane t'a même voulu convaincre monsieur pour le capable rester comme faire des lances pour Gepal. Est-ce que nous allons joindre ça pendant l'été? Son interrogation, moi-même, je ne suis pas capable de répondre, ni, puisque je ne suis pas. Non, ambiance non, nous-mêmes qui a parlé là, tout simplement, nous juste relayer ça dit dans la presse internationale avec prudence tout, parce que nous parler selon ça, tel média lui-même lui rapporter. Donc là, Guillet, en pile parole, si Zidane vini, lui fort. Et si Zidane vini, li convainc Kylian Mbappé, la prêté dans Paris Saint-Germain, la Real de Madrid, pas gagner Mbappé pour être cap venir. Si maintenant Mbappé t'a décidé pour le rester à Paris, est-ce que Kounia là ou pas pral jeune yon Florentino Pérez qui pral la gueule à fond derrière Alan pour le faire Alan comme véritable pointe équipe liya. Même que nous connaissons Real de Madrid, Ligue et Karim Benzema, mais pas oublier, Karim Benzema, c'est déjà 34 ans, et Alan, c'est 20 ans, son jeune, eh bien, c'est l'avenir équipe là, et Alan, et Vinicius Junior, c'est capable, véritable, de faire des lances, projet Real de Madrid qui va venir là. Est-ce que tout Alan, pas pral plus prioriser et question Barcelone ou encore Manchester City, ça encore c'est des interrogations. Donc là, il y a en pile dossier chaud sous question mercato
hivernal là et même mercato estival là qui prend la vini puisque gagné en pile joueur qui déjà qui prend libre de tout contrat. Donc voilà comment ça lui-même lié sous causé Alan et qui a fait en pile parler en pile pour lui tellement footballer ça, il paraît un joueur qui va le faire en pile l'obéir dans football là. Pour nous quitter, avant nous quitter dossier transfert, faut que nous rappeler et Philippe Coutinho il rejoint l'équipe Aston Villa et Coutinho vraiment qui coulait, qui descend puisque monsieur sorti dans Liverpool, tombé dans Barcelone, prêté dans Bayern Munich et puis plongé dans Aston Villa. Eh bien ça monsieur qui a le cherche tant de jeu li tout qui a bon pour lui tout, faut que nous wel dans sens positif là tout qui a bon pour lui, elle gagne beaucoup plus de temps de jeu et temps de jeu capable permettre lui retourner encore comme un élément important, un élément prépondérant en sélection nationale là du Brésil puisque monsieur c'était un élément fort cité yo, mais problème irrégularité, pas jouer, blessure, fait pas capable avec équipe Brésil. Mais nous elle vient retourner hein, c'était des relais même qu'elle pas mettre le jouer, mais maintenant s'il a joué, il rejoint nous forme ni ça capable permettre lui retourner comme un élément clé dans sélection. En yo l'autre et bagaille nous capable faut ouais tout dans aller et Philippe Coutinho dans l'équipe Aston Villa, ça nous capable faut ouais c'est que Philippe Coutinho li al nan Aston Villa côté li gagne ancien coéquipier qui a entraîné équipe Aston Villa ça qui c'est Steven Gerrard. Donc là li capable faciliter monsieur et plus encore pour gagner beaucoup plus de garantie la pas jouer. Et puis gagner Samuel Umtiti monsieur nous connaît qui et avant nous aller net sur question et sous question Alan, faut que nous disions Oriol Dominique qui c'est un journaliste. Et bien monsieur fait connait et monsieur dit la Polta fait connait avec proche lio la sien Alan pendant été qui a vinn là la sien Alan. C'est ça Oriol Dominique qui c'est un journaliste français lui même qui a travaillé qui gagné et qui sont correspondant tout en Espagne. Monsieur lui-même, lui fait qu'on est. Et Samuel Umtiti, monsieur a quitté Barcelone, c'est ça, Sport lui-même, lui fait qu'on est. Et puis, Guillé et Matteo Alemani, et qui a pas travaillé sérieusement pour départ Samuel Umtiti, et puis pour capable faire venir Ferran Correas, qui c'est un joueur qui est capable de venir remplacer Samuel Umtiti. Dans le moment où on a parlé là, Barcelone. Et a pas joué Barcelone a pas joué dans le moment n'a pas les là et dans cadre championnat d'Espagne de football et Barcelone et qui et c'est vrai qui non qui poco capable de gagner une régularité dans résultat yo mais quand même gagner une petite progression gagner une petite progression qui fait puisque Barcelone actuellement là li en 6e en position avec 32 points. Avec 32 points, et je dis là, s'il est capable de gagner, il y a possibilité pour le capable de devancer Atlético de Madrid et la Real Sociedad pour le capable de rentrer dans le top 4 là provisoirement. Donc, bon petit progression qui a fait. Et Barcelone. Et qui a pas joué dans le moment à parler là avec équipe et Granada et Barcelone s'il vous plaît qui en déplacement la caille équipe Granada. En nous à composition équipe Blaugrana ma, et Ter Stegen dans goal Barcelone qui n'a yon et 1-4-3-3 Jordi Alba arrière gauche et Garcia avec Gérard Piqué yo formé axe central là et puis vétéran Dani Alves qui était très bon dans Coupe d'Espagne monsieur là comme arrière droit et puis dans l'autre jeu Guillé Sergio Busquets capitaine et le petit Gavi très talentueux et sans oublier et Nicolas Gonzalez encore qui très talentueux deux messieurs qui très jeunes qui capable à l'avenir et puis capable progresser capable venir faire gros joueur football yo gen talent et puis devant Guillé Ferran Jugla et Ousmane Dembélé et puis Guillé Luc De Jong
qui en attaque pour l'équipe FC Barcelone. Barcelone, et nous connaissons qui bénéficie retour, même si ça dépaille, mais qui encore trop juste, qui pas débuté match football. Si là, voilà comment ça y est, et ce qu'on lance toujours 0 but partout entre Barcelone et Granada. On a loué comment quelques résultats qui étaient faits. Et matin dans championnat yo même que nous connaît Gayet et en Angleterre c'est surtout FA Cup qui a joué, mais en Allemagne te Gayet match qui te joué en Allemagne et depuis hier s'il vous plaît te Gayet match qui te joué dans championnat d'Allemagne nan, puisque hier équipe Bayern Munich là li perdu face à Borussia Mönchengladbach qui tournait une véritable bête noire pour l'équipe et bavaroise puisque ils ont éliminé Bayern Munich dans la coupe là, ils ont écrasé le 5-0 et sous saison et Bundesliga ils ont pris 4 points sur l'équipe Bayern Munich là. Donc hier ils ont gagné Bayern Munich 2-1 malgré Bayern Munich qui a gagné tout meilleur élément là. Robert Lewandowski, d'ailleurs c'est lui qui marque le goal là. T'es gagné Müller, c'est Jean Nabry et qui était présent et Pavard, Soulé, etc. Ensemble de joueurs ça y est, même ils étaient là, même que Pat qui est présent et Neuer qui part là et c'est goalkeeper remplaçant qui était présent dans match à football là. Mais Bayern Munich libéré. Comment ça a été matin, gagné et Gayer Leipzig qui crase Mainz 4-1 et puis Gayer Bayer Leverkusen qui fait match nul dans début partout avec Union Berlin dans match Silayo. Et puis en Espagne dans moment on a parlé là Jean Noté dit là Barcelone a joué face à Granada, c'est toujours le score de départ 0 but partout. La Real Sociedad qui gagne équipe Celta de Vigo 1-0, si Barcelone capable gagner Barcelone a passé devant yo et puis Gayer et Pita, et bien entendu, à 3h, Real de Madrid qui pourra jouer face avec l'équipe Valence. Real de Madrid, Valence. Et en France, qui ça qui pourra gagner dans le championnat de France? En France, et demain, pourra gagner yon alléchant Paris Saint-Germain Lyon. Malheureusement pour l'équipe Paris Saint-Germain, pas gagner. Pas gagné Léo Messi et puisque Léo Messi monsieur qui t'a gagné coronavirus et bien Léo Messi qui pas pas disponible heureusement pour Paris Saint-Germain l'a pas gagné l'a bénéficié et retour Sergio Ramos la présent pour équipe Paris Saint-Germain même que Neymar encore en convalescent, Neymar qui est prêt pour la capable de jouer, mais il y a bien Kylian Mbappé qui n'est pas présent et Sergio Ramos qui n'a pas de retour. Paris Saint-Germain, papa Gueye, Lionel Andrés Messi et Cucitini pour demain, et si Dieu veut. Et puis en Italie, a pas Gueye match qui pourra la jouer pendant le week-end en Italie, mais Gueye match qui et game match justement et en Italie demain qui a joué Milan à 6h30 a joué face à Venise. Milan qui voulait gagner un arrière central à tout prix grand pile nom qui a cité et Bailly a cité et pour capable venir remplacer et Simon Kerr monsieur qui blessé et qui va rater toute reste saison et a gagné également et demain si Dieu veut dans championnat d'Italie et Napoli qui a joué face à Sampdoria et à 2h à 12h30 bien entendu AS Roma va jouer face à Juventus. AS Roma qui a perdu 3-1 face à équipe Milan ACA pendant week-end là et bien donc équipe romaine qui gagne pour les voir gagner Juventus pour capable remettre groupe là en confiance pour clôturer et journée ça a pas gagné Inter de Milan qui a joué face à l'équipe Lazio de Rome dans ça qui t'a donné un bel duel entre Mauricio Sarri et puis et Simone Inzaghi qui c'est ancien coach équipe et Lazio qui rejoint l'équipe Inter là et avec Inter équipe ça qui a joué gros niveau football là.
On nous faut parler de Toni Kroos. Toni Kroos, monsieur là, qui gagne et yon chiffre vraiment impressionnant. Depuis arrivé Toni Kroos dans l'équipe Real de Madrid, là, et bien Toni Kroos l'y tente déjà. Tendez ça, 23 000 passes. Depuis arrivé Toni Kroos dans Real de Madrid, saison 2014 et on dit 2014-2015. 23 000 passes. Monsieur tenté pendant la joué pour Real de Madrid. Et dans 23 000 passes, il y a 21 472 qui réussit. C'est mon petit chiffre petit, ça montre vraiment dimension, qualité, technique, sens d'or et monsieur Gueye pour le capable organiser jouer équipe. L'oneg ou capable sur 23 000 passes et puis pour Gueye 21 000 qui capable réussir, c'est vraiment des chiffres stratosphériques pour Toni Kroos. Toni Kroos qui c'est un excellent footballeur, un joueur d'équipe, mais il c'est un véritable moteur dans quelle que soit équipe l'a joué puisque c'est lui même qui a organisé jouet équipe, c'est lui qui a bail équipe là assise technique équipe là vler mandé, c'est lui qui a bail jouet là tempo là pour aller vite, là pour yo capable ralentir jouet là. Et bien monsieur là qui montre vraiment vraiment dimension comme organisateur de jeu sur 23 000 passes, 21 000 et épique réussi. C'est du loup pour Toni Kroos. C'est là nous camper le plus prochain rendez-vous avec Sportmag. C'est prêt là pour samedi prochain. Sonny Eliatus et puis Stéphane qui t'a fait toute manœuvre technique. Yo, nous t'es content ensemble avec vous. Nous saluer amis qui t'es ensemble avec nous en bas live là. Bonsoir tout le monde, passez un bon week-end sous plateforme Facebook Fernando Live.